Hey, hey, hey! Salut tout le monde, salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marois. Je me souviens plus ce qui s'est passé la dernière fois. Oh! Oh alors là ma belle. Non, tu vas reprendre ta toile parce qu'en plus c'est une toile que je trouve tellement belle. Je me souviens que dans le bad challenge, j'ai dû la vendre parce qu'on avait besoin de thunes. Mais là, celle-là, elle va rester à la baraque, quoi. Ça, c'est clair et net. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Ah oui, on avait créé le groupe des Stranger Sims. Il est quasiment 16h. Bah écoutez, moi, je vais leur faire faire... Tu vas faire une petite méditation et tu vas être douché. Parce qu'on va aller au parc. Ensuite, et au parc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons nous marier. Du moins, j'espère qu'il n'y aura pas de bug, parce que je suis un peu habituée aux bugs de merde. Puis surtout, ah bah elle se pointe. Surtout qu'entre eux, en ce moment, c'est un peu des hauts et des bas, c'est un peu n'importe quoi. J'ai entendu un chat. Donc voilà, logiquement, le mariage, c'est pour aujourd'hui. Ah bah oui, c'est Nabeshima qui... Qu'est-ce qu'elle a fait, fille? Elle fait quoi, là? Elle a un problème, là? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Quoi? Ok, là, elle est en train de se reposer. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle fait quoi? Et puis, alors, la voisine, elle est enceinte, hein. Oula, mais y a un problème, là! Il se passe des trucs invisibles. Bon, on va encore critiquer que mon jeu il déconne, mais moi j'y peux rien quoi, merde. Ok, bon, toi t'as été te laver, toi tu vas te laver aussi. Viens là, mon petit. Non, tu vas pas faire d'exercice, tu vas manger. La dernière fois t'avais tout bu là comme un gros dégueu. Tu vas aussi reproduire tes grenouilles, tiens, ça fait un bout de temps. Voilà, créer un plaque de plasma. Logiquement, tu devrais. Je vais t'en faire boire deux. Au niveau de la soif, ça devrait aller. Marois, elle avait quand même réussi à bouffer deux personnes la semaine dernière. Je t'ai dit, allez te laver, cocotte. Va sous la douche et pareil, tu vas boire. Fresque humour. Eh ben, c'est tant mieux. Bon, tu fais ce que je te demande, Marois, ce serait sympa. Hein? Pas déconner. Lui, il se demande ce qu'il fait dans sa vie, il sait pas. Tu sais quoi? Tu vas te faire une beauté. Voilà. Hein, tu te vois pas dans le miroir, hein, la preuve. On se voit pas nous. Alors on voit son prisme, mais on voit pas lui. Voilà. Oh, je suis beau. Je suis un beau garçon. Marois, tu te dépêches de te laver. Oh, tu me fais chier. Allons voir les feux d'artifice. Non. Tu manges, Marois, tu te dépêches. Allez, ma belle. Ouais, et après, après on y va. Après, on y va. C'est le petit Caleb qui va faire... Je sais même plus où c'est. Un événement social. C'est parti. Voili, voili. Alors, tchou-tchou-tchou. Pour l'instant, c'est bon. Mariage. Les mariés, c'est bon. On invite... Oh my god, Stephen, il est vieux. Oh non. Oh, moi, ça me fait mal au cœur. Autant les parents... C'était les parents, mais là, c'est pas possible. On va inviter aussi Angélique, on va visiter Stéphane. On va inviter... Non, lui, c'est le connard qui nous a dragué, non? Tiens, lui, vous entendez bien. Lilith, ouais. C'est pas mal. On va inviter tout ça. On va prendre un traiteur, même si nous, on mange pas, mais il y a des humains avec nous. On va... voilà. Musicien, hop, voilà. Allez. Ah oui, et où allons-nous? Où allons-nous? Nous allons au parc. C'est là que je le trouve pas. Non, ça doit être tout au fond du coup. Parc central. Ouais, alors j'ai fait version 2.0 parce que j'ai relooké un peu le parc. J'ai rajouté des arbres, j'ai rajouté pas mal de petites choses. J'ai refait aussi l'intérieur de la maison, d'une immeuble pour voilà, coller un peu plus à faire un peu genre mariage. Voilà. Et c'est parti! Et nous voilà au parc San Michino. Mais regardez,
Steven, il est vieux! Il va mourir! Vous savez que ça me donne envie, mais de ouf, de le transformer en vampire aussi, quoi. Allez, tout le monde. Bah non, alors du coup, il y a encore un problème. Alors, attendez, on va faire. Ajouter à la bande. Non, elle y est déjà. Hé, mais Lilith est là! Ça, c'est cool! C'est où dans? C'est ça, on va faire. Hop, action, ajouter à la bande. Gaston, on va aussi l'inviter à la bande. Bah forcément, on va l'inviter à la bande. Et je suis pas sûre qu'il y en ait encore, il y a encore de la place. Si, pour l'instant, ça va. Bon, allez, c'est déjà pas mal, hein. Y a pas Rieko aussi, Rieko. Ah, vous voyez, voilà, j'ai refait là avec la piste des dance. La piste des dance pour et on va inviter aussi, on va demander Nabeshima de venir, la pépette. Parce que quand même. Oh, bah hop, elle est formidable cette chatte. Et on peut pas l'inclure dans la bande. Qui c'est ça? Stéphane Blanc. Ouais, ça va. Ok, c'est parti mon kiki. Chou, nous arrivons ici à l'arche. Nous allons donc venir courir vampiriquement ici. Oui, j'ai un peu relooké. J'ai mis des arbres, tout ça. J'ai mis des trucs pour les chiens. J'ai mis des trucs là. J'ai mis un petit souhait, un petit puits à souhait, je veux dire. C'est voilà, j'ai relooké un petit peu. J'ai mis des petites choses. J'ai mis des colonnes ici. Bon bref. Je vais sûrement peut-être le. C'est juste des améliorations. Je vais pas forcément. Oh merde, c'est vrai qu'il s'est fait pas encore nuit. Merde. Attends, non, non, on va venir à l'intérieur en attendant. Parce que là, il y en a qui vont cramer. Là, je pense à Gaston qui est pas immunisé. Oh non, il faudrait pas que je le tue. Oh, vous imaginez l'angoisse, quoi. Par contre, ils ont la classe quand même. Elle est magnifique, Angélique. Elle est magnifique. Bon, on va aussi changer nos petits Sims d'amour. Parce que. Et pour, je sais pas pourquoi ils sont pas en tenue, hein. Tu vas te mettre en tenue de monsieur marié. Et alors, Marois, j'ai bossé hein, cette nuit. Hein. Regardez le pauvre, pauvre Gaston, il était en train de cramer. On va juste attendre que ça se qu'il fasse nuit, puis on va aller se marier pour l'instant. Bon, je mets sur pause. Et je disais donc, j'ai vraiment bossé la tenue de ma belle Marois. Parce que je voulais absolument qu'elle soit magnifique dans son mariage. Donc elle est déjà très très belle de base. Hein. Vous savez à quel point j'aime cette sim. Mais vraiment, c'est mon kiff de la relooker comme ça. Alors tu vas à ça. Tu vas remercier d'être là. Tu vas remercier d'être là. La sœur, tu vas remercier d'être là. Tu vas remercier d'être là. Oui, je sais. Vous en avez marre de m'entendre. Voilà, on va un peu avancer là-dessus. Ah, il y a aussi un truc qu'on va faire obligatoirement. On va engager un professionnel vedette. Parce que si mes 3 heures arrivaient comme la dernière fois pour le nouvel an, what? Alors, regardez-moi cette beauté. Voilà. Voilà ma roi. Juste parfaite, superbe, avec le diadème, les cheveux, la robe. Regardez-moi cette robe. Avec bien sûr le dos ouvert pour le tatouage. Et c'est génial quoi. Elle est magnifique. Tu vas raconter une blague, mais tu vas pas draguer. Est-ce qu'il fait nuit? Oh, Steven, on va peut-être le remercier aussi d'être là. Oh, je suis dégoûtée, Steven est vieux, bordel. Alors, faut savoir que comme j'ai mis de quoi pour que les animaux aient à manger. Donc comme ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. On a parlé aux invités pendant 2 heures. Vous voyez qu'on n'a toujours pas invité le DJ? Non, mais alors vas-y, invite, enfin, embauche-le, parce que sinon il va mettre 3 heures à arriver, on pourra jamais danser, quoi. On pourra jamais faire le mariage, se fêter et tout ça. Regardez-moi cette beauté, Marois. Oh! Bien sûr, c'est tout des CC, hein. Alors, ce qui n'est pas un CC sur elle, ça doit être son bracelet.
Et elle-même, en fait, hein, parce que tout le reste, les bijoux, les accessoires, les cheveux, c'est bien sûr du CC. Il fait toujours jour, jour, jour. Faire en sorte que les fiancés s'embrassent, oui. Oui, où es-tu, belle, ma beauté d'amour? On va illuminer ta journée parce que tu es. C'est ton jour de mariage. C'est ton jour de mariage, n'importe quoi. Tu vas la draguer. Et tu vas embrasser. La 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 la. Et tu vas jouer la sérénade, tiens, qu'on rigole un peu, devant le frigo dans la cuisine. Alors oui, comme je dis, j'ai réaménagé. La cuisine était fermée, elle était ouverte là. Là, j'ai mis un escalier qu'il y avait ailleurs. Bon, bref. J'ai un peu modifié. Alors, fais un bisou à ta future femme. Tu dois l'embrasser! Allô? T'as pas envie de l'embrasser, en fait? Tu veux pas gâcher son maquillage? On a compris, hein? Déclarer son amour éternel. J'attends juste, effectivement, que nous puissions... Voilà, avec un niveau caméra, j'ai du mal aujourd'hui, hein? Ah, il chante! Qu'est-ce que tu dis, Caleb? Il s'est amélioré en chant quand même, hein. Moi, je vois pas de traiteur, en tout cas, hein. Là, je ne vois strictement rien, donc ça m'énerve. On peut pas embaucher? Mais je comprends pas. Il est où mon putain de traiteur là? C'est une blague? Oh, j'en ai marre. Ah, le DJ vedette est arrivé! Wouhou! Et la blague, c'est qu'elle s'appelle Anaya, c'est ça? Ah non, Anania. C'est pas Ananas, c'est Anania. Allez, un bisou là, bordel! Qu'on gagne un peu des points. Allez! Ah! Quand même. Voilà, il fait nuit. Allez, on y go. Hop, courir vampiriquement, tous ensemble, hé! Hey! Ah non, mais alors par contre, les musiciens, ce serait bien qu'ils savent jouer, quoi. C'est pas possible autrement, là. Mais, Caleb, mais venez ici, mes amis, là, c'est trop possible. Il y en a qui ont envie de pisser. Steven, il est en train de pisser de ouf. Enfin, de voir pisser de ouf. Mais viens ici. Asseyez-vous, nous allons nous marier. Oh, j'en peux plus, moi, des mariages fail comme ça, c'est pas possible. Allez, Calebou. Tu vas rêver de mariage. Oh, regardez. Ils sont choux, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont amoureux. Ah, mais j'en ai marre que ça fasse ça, mais c'est pas possible. Ne plus afficher, on est d'accord. Bon, bref. Donc ils sont beaux. Oh là là, quelle des beautés. Ça y est. Mais putain! Mais venez! Ah, ça y est, Steven revient. Ça y est, à faire en sorte que les regardent la cérémonie. Ouais, bah ils sont pas beaucoup à regarder la cérémonie, hein. Gaston est là, Angélique elle arrive en courant. Oh. J'ai l'impression d'être une paparazzi. C'est trop beau. Et comme ça, c'est peut-être encore mieux, non? Oh oui! Avec la vision. Oh là là, my god! Mon fond d'écran, quoi. Oui! C'est trop beau! C'est aussi pour ça que je voulais le faire à San Michuno, parce qu'il y a les feux d'artifice et tout, et... Oh, ça fait des cœurs! C'est trop bio! Puis j'en ai mis trois fois, enfin j'ai mis trois trucs hein, de feux d'artifice, donc... Waouh! C'est beau les enfants. Oh, ça fait deux cœurs!
Ça n'arrête plus, hein. Ils sont en train de regarder, ils ont la tête dans les... Vous voyez, j'en ai mis trois et j'avais mis d'autres trucs aussi. La tête dans les arbres! N'est-ce pas les amoureux? Coucou! Je sais pas, moi je vois rien là. Ah, ça. Bon, et les gens ils disent quoi? Oh ben ils regardent la meuf qui fait du. D'accord. C'est beau, hein? Quand même, moi je suis quand même contente. Ils sont mariés, ça y est, hein? Oh, par contre, le truc il n'en finit pas quoi. Vu que j'en ai mis trois, mais au moins voilà, c'est un mariage en grande pompe. Ben voilà! Ils sont maintenant unis par les liens sacrés du mariage. Oh, elle avait Nabushima dans les... Oh, c'est trop mignon. Alors, oui, vas-y, tu peux l'embrasser. Moi, j'ai pris je ne sais combien de photos. Ma fifille! Mais du coup, j'avais mis un petit... Ouais, je sais pas si je peux... On peut pas lui faire changer de... De tenue, j'avais mis un petit nœud, mais bon, je suis pas sûre que du coup ça fonctionne, on puisse voir comme ça. Oh, les amoureux. Voilà, allez, hein? C'est pas tout, mais faut couper la première tranche. Allez, on va danser ensemble. Ouh, pardon, je suis partie, je sais pas où. C'est flippant. Alors, c'est la fête! Wouhou! Eh oui, en ce moment, je fais beaucoup de mariages sur ma chaîne. Hein. Oh, Steven. Oh, je pense que je vais transformer Angélique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas de traiteur, hein. Putain, j'en ai marre. Ah non, mais je suis obligée de le faire moi-même. Ça m'énerve, ça. Moi, je vous le dis. Hop. Bon, je suis désolée. Tu vas devoir t'y coller. On va pas faire travailler la mariée, hein. Voilà, il a pas bu pendant 9 jours et Marwa comme elle a bouffé la dernière fois. Hé! Rieko et Gaston! Vous avez vu le regard qu'elle lui a lancé? Et Lilith est là, putain, c'est trop cool! Vu qu'on la voit jamais! Arrête de danser, Marwa, et va parler à ta belle-sœur. C'est une blague, putain. Mais c'est sérieux. Ah, elle met 3 heures à arriver, et puis... Ah non, mais franchement, c'est n'importe quoi. Voilà, alors on a des gens qui dansent sur rien. Caleb, dès que ton gâteau est fini, tu me le dis, parce que... Avant que l'événement se termine. Vide le four, espèce d'idiot. Ça se voit que c'est la première fois que tu cuisines, mon gars. Ah non, mais franchement, il me fait quoi? Oh là là, dis donc, tu sais vraiment pas cuisiner, mec, hein. Va faire un gâteau. Boire de manière incontrôlée. Mais what? Ah non, mais merde, moi j'en ai marre. C'est pas possible. Il s'est passé quoi encore? Partenaire volage? Mais j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Voilà. C'est pas possible. Dès qu'il voit des gens, il y a un problème. Mixologue, bah ouais, bah va mixer. Là, ça y est, le DJ vedette est là. Mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'en peux plus, moi. Voilà, il se marie et il va tout foutre en l'air, lui aussi, voilà. Non, 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 non. Viens ici. Tu reprends le gâteau, s'il te plaît. Oh là là, mon Dieu. C'est... Ah, il s'est transformé en vampire. Oh là là. Quelle catastrophe. C'est pas possible. C'est franchement pas possible. Alors, cacher la forme sombre. Mec, c'est... Non. Marwa, elle a rien fait, putain. Tu me feras pas croire que Marwa, elle a été voir ailleurs. Attends, c'est elle qui pique toujours des crises, quoi.
Oh, il m'épuise, moi, il m'épuise, ces Sims. Mais vite! Ouais, voilà, on n'a plus le temps, là. Fais le gâteau, gars. Oh là là, c'est pas possible. Je veux pas d'un mariage raté, moi, hein. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah, mais attends, parce qu'il a pris un truc là, c'était du verre, j'ai pas compris, c'était verre dégueulasse. Ah non, mais. Vas-y, va danser. Voilà, ok. Tu peux me mettre. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, mais décoration de mariage, oui! Allez, alors Marwa, que je t'ai envoyé danser, bah tu peux arrêter et tu vas couper la première tranche. Si Caleb veut bien mettre les décorations, s'il te plaît. Bon, bah allez. Non, bah ok. Super. Eh ben super, ça marche pas. Allez. J'en peux plus. J'en peux plus, je sais pas pourquoi. Ça veut pas. Voilà. J'en ai marre. J'en ai marre! Bref, on va danser un peu, puis c'est tout, hein. Duel de danse avec Kalebou. Allez, les mariés! Arrêtez de faire des crises. On peut pas, au moins, on pourra pas dire qu'ils sont pas fous l'un de l'autre, hein, pour faire des crises comme ça. Allez, barrez-vous, tout le monde! Nous, on va danser. Allez, Caleb! Oh la vache! C'était quoi ça? Oh my god! Mon Dieu! Ma, qu'est-ce qu'elle est belle! Ma, qu'est-ce que tu es belle! Oh Maroua, tu es la plus belle! Et alors, un petit truc aussi. Qu'on va faire? Ah ouais, lui il nous fait carrément des trucs. Bon voilà, mariage terminé. Et tout le monde se barre bien sûr. Eh ben non, on va commencer une réunion nous. Hop, commencez réunion. Voilà. Voilà. Hein? Tant qu'à faire. Allez, on vient faire une photo. On va au moins regarder. On n'a pas le. La station de photo. Ouais, t'aurais pu. Ouais, c'est pas génial comme plan, mais bon. En plus, avec le plan derrière et tout. Mais oui, on n'a pas le truc de photo, en fait. Et en même temps, j'ai que 2 Sims, donc je peux pas demander à quelqu'un de prendre la photo. Enfin, vu qu'ils sont déjà dessus, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sinon, c'est pas grave, je vous ferai un dessin. Eh hey, mais c'est un remix des Sims, mais je sais, j'ai déjà dit, mais ça me fait rire. Une petite photo avec ton mari, et puis on choisira laquelle sera la plus belle pour qu'on mette dans la maison. Ouf, mais sérieux, c'est quoi qu'il y a devant là? Enfin non, mais franchement. C'est quoi ce truc? Bon, bah non. Et puis j'en ai marre, pourquoi Caleb, il a toujours une tête devant? Ah, c'est son bouquet! Ah, mais quelle connerie! Et tu peux pas prendre une photo d'eux, hein? Si, hein, tu peux prendre une photo d'eux. Prendre une photo de Caleb? Je vais découvrir. Passer une photo de son ami sur Instagram. Ouais, mais pareil, j'ai que 2 Sims, je peux pas faire une photo de deux. Ah là c'est bien, mais par contre on voit pas son diadème et soit je coupe la barbe de Calebou. On va faire comme ça. Ça là c'est bien. Voilà. Et à la fin. Oh my god! Oh le BG! Gaston derrière, oh mais la pose quoi! Ah, je suis fan, putain! C'est trop drôle! C'est beaucoup trop drôle! Mais tu vas faire une photo aussi, toi! Une photo de Marois. Voilà, elle grogne! Oh merde, il y a Lily devant! C'est pas vrai!
C'est n'importe quoi. C'est pas grave, hein, je prends quand même la photo. Hein. Mais Lily, tu peux te barrer de devant ma femme. Tiens, tu vas aller ici. Non, bon, allez. Tu viens là et tu vas. Non, c'est où? C'est. Tu vas prendre une photo de. Voilà, on va reprendre une photo. Ah mince! Ah, je m'ai gouré! Ah, c'est pas grave, on va refaire, on va refaire. Tu vas pas regarder la danse, hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? Fais une photo de Marois. Oh là là, je me gourre en plus, je sais pas. Allez. Elle est dehors, ouais, ça fera peut-être mieux pour. Oh, c'est chou. C'est bizarre cette pose, mais. Du coup, c'est soit j'ai pas le bouquet, soit j'ai pas la main. On va faire ça comme ça. Les poses sont quand même assez spéciales, hein. Je dis ça. Très bien. Toi, tu vas venir du coup ici. Toi, tu vas venir du coup ici. Et vous allez vous reprendre en photo. Ouais, je suis désolée, hein. Mais c'est pour parce que pour garder le souvenir du mariage, en fait. On sait pas ce qui va se passer. Oh, qu'elle est belle. Voilà, c'est ça que je voulais. Mais bon, par contre, c'est toujours un peu compliqué. On n'a pas un grand angle. Hein. Juste peut-être un chute comme ça. Bon, allez. J'espère qu'elle sera réussie. Voilà. Mais tu sais que tu peux donner de l'amour à ta femme. Tu peux donner. Tu peux l'embrasser. Voilà. Tu peux t'extasier sur les chanteurs préférés. Ça fera des points en plus pour la réunion qu'on a fait. Voilà. Et tu vas, on va danser ensemble. Par contre, tout le monde s'est barré, mais c'est normal en même temps. Le mariage étant fini. Et en plus, le gâteau n'a servi à rien. J'adore quand c'est buggé comme ça, les Sims. Bon, ça va, il est 5h30 du mat. Tout le monde va bien, même Nabeshima, elle a pas l'air d'être mal, donc c'est cool. Elle a tout ce qu'il faut. Oh, regardez-moi Caleb, les moves. Ah, dis donc! Il assure! Ah, ouais! Yasnarb. Ah, ma beauté. Alors, par contre, la robe qui passe à travers le plancher. C'est bien, c'est cool. Ah, elle discute avec Lilith! Demandez de garder une relation amicale. Mais elle est sérieuse! Mais en fait, il y en a une des deux qui c'est qui a dragué. Qui c'est qui a. Mais what? Elle a dragué sa belle-sœur. Lui, il est toujours vénère. Hein. Lui, il va me faire une connerie. Hein. Ah non, mais je suis choquée. Mais ouais, tu vas garder une relation amicale, quoi. On est juste belle-sœur, enfin, non? Je franchement, j'ai rien contre les lesbiennes hein, et tout. Hein, voilà. Mais là, quand même, Marois, elle est avec Caleb, quoi. Ça s'est un peu imposé pendant le Bad Challenge. J'avais pas le choix, c'était dans leurs envies. Enfin, surtout les envies de Marois, et elle avait envie de l'embrasser et tout, donc. Alors, relation amoureuse, mais elles ont jamais eu de relation amoureuse. Oh my god. Bref. C'est quoi cette musique? Mais il n'y a même plus de DJ. Bon, allez, hein, c'est bien, on va arrêter là. On va mettre fin à la réunion. On est seulement à 299 points, c'est nul à chier. On arrête de danser, les enfants. Ouais, c'est ça. Ah, tu grognes et puis on va rentrer à la maison. Et notre petite Mabeshima, elle est en train de courir partout. Et nous, on rentre. Allez, ah, nous voilà, revenus à la maison, regardez-moi. Regarde-nous. Ah!
Eh ben non, elle veut pas nous regarder. Les voilà, les amoureux, les jeunes mariés. Caleb qui refond sur son ordinateur parce que voilà, il sait rien faire d'autre. Hein. Et puis, ben, il se fait quelle heure? Il se fait 7h30 du matin, Marwa à la dalle. Eh ben, tu vas reproduire Tinte des grenouilles. Tu vas faire un pack de plasma. Et tu vas manger. Tu vas manger. Tu vas manger. Et est-ce que tu nous avais fini ta toile? Ouais. À 838 simflouze. Où est-ce qu'on pourrait la mettre? Je vais la mettre là en attendant. Je ne sais pas du tout où. Je mettrais bien dans la chambre. Mais ça colle pas trop au reste. Peut-être ici. Voilà. Alors, et puis on va regarder les photos. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre parce qu'en fait, j'ai toujours ce bug là qui met des photos d'une autre partie qui n'est absolument pas celle-ci. Qui est même... Le pire, c'est que j'ai changé de PC entre-temps, donc ces photos ne sont même plus dans mon PC actuel. Pour faire une idée, eh ben, voilà, ça fait partie des photos de mon legacy privé. Qui est donc une partie auquel je n'ai même pas joué, que les photos n'existent même pas dans mon PC. Et ben voilà, elles sont là quand même. Ça me gonfle. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tiens, on va remettre Calibou. Là, il y a d'autres photos. Non, je crois que c'est... Il y a celle-là. Ah mais celle-là, elle est ratée. Celle-là, elle est ratée. Tac, tac. Bon, de toute façon, moi, je regarderai mieux et je ferai un choix. Je pense que c'est Caleb qui avait les meilleurs. Oh, 38 photos, carrément. Là, il avait sa grosse tête. Là, Marwa qui fait je sais pas quoi. Ah, bah, c'est celle-là que j'avais, je croyais que je préfère. Lilith. Bah, c'est bien, non, on va la mettre dans l'appart, hein. Ça fait partie de la famille. Que même avec Marwa, elles ont une relation amoureuse, lol, quoi. Bon, j'étale tout là, comme ça, vous voyez. Mais moi, bon, après, je vais faire un tri, je pense. Je vais regarder, je vais laisser les meilleurs. Et voilà, ce sera un peu le mur... Oh, un gros doigt. Ça, il y a le petit machin qui est le truc, là. Espèce de gnome qui vient squatter les photos. Ok, eh ben, c'est parfait. Moi, du coup, je vais vous quitter ici. Ah non, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Ah ben, Caleb chante, ça y est, il en peut plus. Eh bien, il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est qu'on va lui faire faire des bisous. Oh, c'est beau. Oh. Prends une pose sexy. Être désirable. De ta raison d'amitié. Ben oui, merci Lilith. Et on va quitter bien sûr cet épisode d'un mariage. Un mariage sans faire crac-crac derrière, moi je n'y crois pas. Et alors pour faire plaisir aux gens, je vais faire quelque chose. Voilà. J'espère que ça ne prendra pas. Mais c'est essayé. Parce que franchement, hein, faire un gosse juste après le mariage, bon, c'est pas forcément ce à quoi je m'attends. Mais au moins voilà, je lance le truc. Peut-être qu'au prochain épisode, on aura une petite surprise. En tout cas, moi, c'est ça dessus que je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous aura plu, malgré les problèmes que nous avons toujours avec ce couple d'amoureux. Ah, des sous. Merci, Caleb. Tu nous rapportes 640 simflouze. Et je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à laisser un petit message. Ça me fait super plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Allez, salut.